Pusani na pusani liboso na yo kimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo masia na tie motema se pai na yo na tomboli maboko kongumba mela yo kimelo na ngai Yesu mobateli na ngai qui melonanga kolotala banguna nangai batali nyango kolimwi sangai batie mitambu na bazela nyoso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela kangai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba meli yo bateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kumisi yo na ngumba meli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai ye bateli na ngai ye yekimelo na ngai ye mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazala papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na nga ekimelo na nga Yesu natalelise yo yaya na nga ye papa ya bana bitike Yesu na ngai ata batye mitambo na nzela Yesu e ozobatela banzela na ngai zokengela avenir na ngai Yesu na ngai komo bimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus komo bimba na ngai ezangolu oza komo bimba ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomo bimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomo bimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai pomo bimba na ngai ezangolu na o Jésu. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie normale. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.
Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tout ce que j'ai, Jésus. Tu es tout ce que j'ai, Jésus. Tu es tout ce que j'ai. Plus que précieux dans ma vie, Jésus. Tu es tout ce que j'ai. Jésus, El Zamor Temananda. Jésus, El Zamor Temananda. Alors, Jésus, El Zamor Temananda. Jésus, El Zamor Temananda. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Toluka eh, Toluka, nani ango eh, nani eh, akome me kulusu eh, oya mosusu. Yesu nanga yo za elombe. Toluka e toluka, azawani e nanyango, akomeme kulusuwe ona mosusu. Yesu nanga yo za elombe. Jésus, tu es mieux que ce que j'aime et toi. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es aux agneaux soyanda. Jésus, tu es aux commagnons soyanda. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir à tous, bonjour pour ceux qui sont encore la journée. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous comble de grâce, que Dieu vous comble de faveur, que Dieu vous comble de ses bontés. Nous avons commencé nos 50 nuits de sagesse et de décrets. 50 nuits de sagesse et de décrets. Et nous avions dit que nous avons quatre axes que nous allons exploiter pendant ces 50 jours ou ces 50 nuits. Nous entrerons en profondeur, nous parlerons du mariage, nous parlerons de la puissance de l'esprit, nous parlerons des relations, nous parlerons de la réussite. Et je ne serai pas seul,
certains jours avec la servante de Dieu, d'autres jours la servante de Dieu sera seule, et d'autres jours je serai seul. Et ces quatre axes, nous les aborderons l'un après l'autre. Parfois on partira et on reviendra. Donc nous avons commencé à parler de la sagesse depuis hier et nous avions dit, nous avons commencé donc avec l'école de la sagesse et nous avions dit que la sagesse, c'est essentiellement le discernement. Et ce discernement vient de l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel qui insuffle la sagesse dans l'esprit de l'homme. Cette sagesse provient du fait que l'esprit de l'homme, la raison de l'homme est saine, est pure. Et quand est-ce que la raison de l'homme est pure? Quand est-ce que la raison de l'homme est saine? C'est quand on se sanctifie, on se purifie, on se garde pur pour bien communier avec le Seigneur, pour bien communier avec la parole de Dieu, pour bien communier avec la connaissance de Dieu. Lorsqu'on communie avec la connaissance de Dieu, on reçoit la sagesse de Dieu. On reçoit la provision divine. On reçoit la provision céleste et la sagesse se développe. La sagesse se déclenche. Et cette sagesse vient de ce discernement. L'esprit l'esprit de l'homme qui est nourri par la parole de Dieu, qui est nourri par l'intelligence divine, donc la connaissance divine, ça produit le discernement. La sagesse et l'intelligence marchent ensemble. La sagesse se développe au travers de la réflexion. La Bible dit que la sagesse a pour siège la réflexion. Et cette réflexion produit les discernements. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Ce n'est pas compliqué. La sagesse, je l'ai dit hier, ce n'est pas une affaire de cheveux blancs. Ce n'est pas une affaire d'âge. La sagesse, ce n'est même pas une affaire de rester, d'être silencieux. Parfois, on dit aux enfants, sois sage, hein? Sois sage. Et lorsqu'on dit ça, on fait allusion à une certaine attitude. Hein? Ne fais pas trop de bruit, ne parle pas trop, reste tranquille dans ton coin. Ce n'est pas de la sagesse que de rester silencieux, mais la sagesse peut produire ce genre d'attitude ou ce genre de comportement. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui évoluer par rapport à l'école de la sagesse, parce que demain, nous devons aller plus loin, nous devons progresser et je veux que nous puissions avancer, que nous puissions évoluer. Alors, c'est quoi la sagesse? Dans Proverbes chapitre 2, versets 1 à 6, on parle de la sagesse. Écoute ce que Salomon dit à propos de la sagesse. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu te mets à chercher l'intelligence comme on cherche l'argent, parce que tu veux atteindre la sagesse, tu te mets maintenant à chercher l'intelligence comme on cherche l'argent. Cette intelligence dont on parle ici, c'est dans la connaissance de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Fouiller la science, l'intelligence dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu. On dit si tu la fouilles comme on fouille l'argent, comme on cherche l'or enfoui dans la terre, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc si tu te mets à chercher la connaissance au travers de la parole de Dieu, tu te mets à fouiller pour connaître, comprendre comment Dieu fait les choses, comment Dieu bénit, comment Dieu élève, quand est-ce que Dieu approuve les voies d'un homme, quand est-ce que Dieu trouve les voies d'un homme agréable, quand est-ce que Dieu fait des grandes choses avec un homme, comment est-ce que Dieu peut propulser un homme, comment est-ce qu'un homme peut marcher avec la faveur de Dieu sur la terre, comment est-ce qu'un homme peut être accompagné par les anges de Dieu, comment est-ce qu'un homme peut être accompagné par les esprits célestes, les esprits célestes, donc les anges. La Bible dit que les anges sont des esprits.
qui ont été délégués auprès de ceux qui vont hériter de la vie éternelle, afin de les servir. Donc, si tu te mets à chercher cette connaissance-là, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. N'oublie pas qu'hier, nous avons dit, dans Psaume chapitre 111, verset 10, et dans Proverbe 9, verset 10, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, lorsqu'on veut trouver la sagesse, lorsqu'on veut grandir dans la sagesse, au début même de la sagesse, on se rend compte, craindre Dieu, c'est une chose importante. Tout commence par là. Parce qu'un homme qui a trouvé la sagesse ne marche pas dans l'impureté. L'homme qui a trouvé la sagesse ne marche pas dans les péchés. L'homme qui a trouvé la sagesse sait que lorsqu'il marche dans les péchés, lorsqu'il marche dans l'impureté, lorsqu'il enfreint les lois de l'Éternel, il détruit sa propre vie. Et tu ne peux pas développer ta sagesse dans la souillure. La souillure détruit la sagesse. Parce que la souillure détruit la raison saine. La souillure détruit les bons discernements, détruit les bons sens. La souillure, la saleté, l'impureté détruit la capacité de voir nettement les choses comme elles sont. Donc ça détruit le discernement, ça détruit les bons sens. Et on ne peut pas grandir dans la sagesse tout en péchant, tout en marchant dans l'impureté. Donc la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On a trouvé la sagesse. La sagesse que vous avez trouvée vous a poussé à craindre l'Éternel. Mais lorsque vous continuez à craindre l'Éternel, ça vous donne une raison saine. Et ça produit plus de sagesse et ça revient. C'est cyclique, c'est un cercle vertueux. Vous craignez Dieu, ça produit la sagesse produit la crainte de Dieu produit la sagesse. Vous grandissez dans la sagesse. Donc vous devez comprendre cela. La sagesse, on la cherche comme on cherche l'or, comme on cherche l'argent. Vous devez chercher, vous devez fouiller. Réussir, avoir un bon mariage, ce n'est pas donné. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de diplômes d'université qu'on va réussir. Il y a beaucoup de professeurs d'université qui ont échoué dans les mariages parce qu'ils ne connaissent pas les secrets du mariage. Les secrets du mariage se trouvent dans la connaissance de Dieu. Parfois, des règles très simples. On dit simplement à l'homme, aime ta femme et aime ta femme comme tu aimes ton propre corps. Si tu l'aimes de cette manière, tu vas réussir dans les mariages. Et on dit à la femme, toi, sois soumise à ton mari. Des petites règles, apparemment, ce n'est pas là que se trouve la solution, mais c'est là que se trouve la solution. Donc, le mariage ne consiste pas à aller quémander de l'amour, à aller quémander quoi que ce soit, à développer des fausses attentes, des attentes. Ah, quand je vais me marier, j'aurai ceci, j'aurai cela, on va me faire du bien, on va me faire ceci et cela. Mais la réussite dans les mariages consiste plutôt à aller donner. Vous voyez, Dieu dit, toi homme, aime. Toi femme, sois soumise. Donc, il faut aller donner. Si chacun vient pour donner, alors vous serez heureux, vous réussirez, vous allez rendre l'autre heureux, vous allez rendre l'autre heureuse, et vous allez aller de l'avant. Les secrets se trouvent dans la parole de Dieu, se trouvent dans la science de Dieu, dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi si vous allez chercher ailleurs, vous n'allez pas trouver. Si vous allez chercher les solutions ailleurs, vous n'allez pas trouver. Il y a des gens très intelligents, mais qui sont incapables d'avoir des mariages bénis, d'avoir des mariages en paix, d'avoir des mariages qui fonctionnent, d'avoir des mariages qui marchent. Donc ça passe par la sagesse. Voilà pourquoi j'introduis ces 50 nuits, je les introduis par la sagesse. Parce que tout ce que nous allons apprendre pendant ces 50 nuits, à propos du mariage, à propos de la puissance de l'esprit, des relations, de la réussite, ce sont des règles de sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que nous sommes en train d'évoluer et d'avancer. J'aimerais que tu partages la vidéo. Partage la vidéo aux amis. Partage. Que tout le monde, que les gens que vous aimez, qu'ils soient connectés et qu'ils apprennent, qu'ils suivent et qu'ils participent avec nous dans cette nuit des décrets, parce que nous allons finir par des décrets. Nous allons décréter des choses dans nos vies. Alors partagez, taguez les amis, citez les noms des amis, poussez-les à entrer et à suivre. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Je continue, j'attends vos partages. Partagez,
S'il vous plaît, partagez avec des amis. Alors, quand est-ce que la sagesse commence? Hier, nous avons vu les étapes pour développer la sagesse. Si vous ne l'avez pas suivi, après cette vidéo, vous pourrez rentrer à la vidéo d'hier pour voir comment les étapes pour développer la sagesse. Alors, quand est-ce que la sagesse commence? La sagesse commence lorsque l'homme plonge son regard dans la parole de Dieu et se soumet à son autorité. Dieu a créé l'homme et a placé en l'homme son esprit. L'esprit que vous avez, ça veut dire le véritable vous, vient de Dieu. C'est une création de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Votre esprit a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire votre esprit contient la substance de Dieu. La substance de Dieu. Alors, si vous voulez développer la sagesse, c'est-à-dire la capacité de répondre à la question « comment ?» Parce que nous avions dit hier, la sagesse, c'est le comment. C'est le comment. Comment. Il y a certains problèmes pour les résoudre, l'intelligence ne suffit pas. Les connaissances que nous apprenons à l'école ne suffisent pas. Les connaissances empiriques que nous avons développées au fil des années par des expériences ne suffisent pas. On vous pose un problème, vous ne savez pas comment répondre à ces problèmes. On vous pose un problème, on vous dit, une femme a trompé son mari. La femme elle-même vient vous dire, j'ai trompé mon mari. Mais c'est très mauvais. Je me suis repenti. Mais je ne sais pas si je dois aller confesser auprès de mon mari, lui demander pardon. Si, est-ce que, comme j'ai prié, ça suffit? Ça s'arrête là, Dieu m'a pardonné et on continue la vie? Qu'est-ce que je dois faire? Comment répondriez-vous à cette question? Il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. J'ai un enfant qui n'est pas de mon mari. Mais mon mari pense et sait que c'est son enfant. Mais je ne suis pas à l'aise. Je dois lui révéler la vérité. Ainsi de suite, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans notre vie de chaque jour qui requièrent de la sagesse pour les résoudre. Beaucoup, beaucoup de problèmes et des problèmes cruciaux qui peuvent faire que votre mariage se détruise, qui peuvent faire que vos relations se détruisent, des problèmes très sérieux qui peuvent détruire toute votre réussite. La réussite que vous avez bâtie pendant 30 ans peut se détruire par manque de sagesse. Alors la sagesse est une chose incomparable, est une chose qu'on ne peut pas comparer à une autre, la sagesse. Alors la Bible dit, non, je ne parle pas de la Bible, je parle de la sagesse. La sagesse commence lorsque l'homme plonge son regard dans la parole de Dieu et se soumet à son autorité, à l'autorité de la parole. Il n'y a pas de soumission sans confiance. Tu ne peux pas te soumettre à la parole de Dieu si tu n'as pas confiance à la parole de Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu lui-même, tu ne sauras pas te soumettre à sa parole. Donc il faut d'abord que tu saches que la parole de Dieu est vraie, elle est véritable, elle est véridique. Tout ce que la parole de Dieu est vrai, non seulement que c'est vrai, mais c'est réel. Ce n'est pas seulement vrai, mais c'est réel. C'est-à-dire, c'est palpable. C'est visible. On peut voir les effets de la parole. On peut voir les retombées de la parole. C'est réel. Ça fonctionne. Alors, si on se soumet de cette manière, c'est ça ce qu'on appelle la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas seulement fuir les péchés, mais la crainte de l'Éternel, c'est d'abord la foi. Croire en Dieu, croire à la parole de Dieu, croire en tout ce que Dieu te demande de faire. C'est la crainte de Dieu. C'est donc faire confiance à tout ce que Dieu dit. Être convaincu qu'il ne peut pas te tromper, qu'il ne peut pas te mentir. Faire confiance à ses procédés. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous l'avons vu. Alors, j'aime ce verset de Proverbes chapitre 10, verset 31. Proverbes 10, 31. Ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez écrire Proverbes 10, 31? Proverbes chapitre 10, verset 31. Je vais vous voir écrire, je vais vous voir liker, je vais vous voir taguer les personnes, je vais vous voir partager, s'il vous plaît. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. C'est ce que dit Proverbes chapitre 10, verset 31. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranché. Pourquoi est-ce que la bouche du juste produit la sagesse? Parce que le juste craint l'Éternel. Parce que le juste craint l'Éternel, il a une raison saine, ses pensées sont droites, ses pensées sont propres, ses pensées peuvent capter l'Esprit de Dieu, ses pensées peuvent être inspirées
par les oracles célestes, par les oracles de Dieu, il peut capter des informations célestes. Il peut capter des informations célestes qui usent, c'est-à-dire que le ciel use envers lui de la prévenance. Il est prévenu à l'avance avant que les choses n'arrivent. Il a donc de la raison saine et il a le discernement. Le discernement, c'est ce que j'ai appelé hier la capacité de voir au-delà du voile. La capacité de faire la lecture entre les lignes. La capacité de saisir des choses au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu. La sagesse, c'est à ce niveau-là. La sagesse est surnaturelle. C'est pourquoi la bouche du juste produit la sagesse. Toute bouche ne peut pas produire la sagesse. Mais la bouche du juste produit la sagesse. Bien-aimés, partagez la vidéo, que nous soyons plusieurs à suivre ces paroles de sagesse dans cette école de sagesse. La bouche du juste produit la sagesse parce que lorsqu'on marche dans la crainte de Dieu, lorsqu'on marche dans la pureté, on développe une autre forme d'intelligence. On développe une autre forme de raison. Son esprit est abreuvé par les sources du ciel, par le prophétique, par ce qu'on appelle la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est un don. C'est une faveur que Dieu vous fait d'avoir, à chaque fois qu'on vous pose un problème, de capter la substance de Dieu, de capter l'intelligence de Dieu et de parler, de dire des choses que vous n'avez pas prévues, qui ne sont pas les produits de votre intelligence ou de vos expériences, mais les produits de ce que Dieu a mis en vous. Dieu dépose cela sur votre cœur et lorsque vous parlez, on dit « Oh, vraiment, vous m'avez inspiré, vous m'avez donné la solution. Vous avez une sagesse extraordinaire. Où est-ce que vous trouvez ces choses ?» Non, on les trouve dans l'esprit de l'Éternel. Mais cet esprit de l'Éternel que Ésaïe appelle l'esprit de sagesse, Ésaïe appelle l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Ésaïe appelle l'esprit, le Saint-Esprit, l'esprit de la sagesse. Quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, on appelle le Saint-Esprit l'esprit de la sagesse. Parce que quand l'esprit est en vous et que vous marchez dans la pureté, dans la crainte de Dieu, ça produit la sagesse en vous. Voilà pourquoi la bouche du juste produit la sagesse. Mais la langue perverse sera retranchée. Pourquoi est-ce qu'elle sera retranchée? Parce qu'elle ne dit que des sottises. Elle ne dit que des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà pourquoi dans nos langues, dans nos traditions, même en Lingala, on dit « Monokonayo kobomayo, ta bouche va te tuer. » Parce que ta bouche va dire des choses qui vont causer ta perte. Excusez-moi, ta bouche va dire des choses qui vont causer ta perte. Frères, mes amis, j'attends que vous puissiez partager. Partagez. Ne laissez pas les autres rater ces moments. Taguez les amis, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, tout ce qu'enseigne la justice de Dieu est salut pour ceux qui y plongent leur regard. Ça vous donne le salut. Quand vous plongez le regard dans la parole de Dieu pour craindre l'Éternel, ça produit en vous les saluts, les saluts pour les autres, mais les saluts aussi pour votre propre âme. On ne peut pas connaître la justice de Dieu et demeurer dans l'échec. Non, parce que la sagesse produit la richesse. La sagesse produit l'élévation. La sagesse produit la réussite. La sagesse produit le succès dans ce qu'on fait. Lorsque Dieu demande à l'homme de craindre Dieu, lorsque Moïse écrit dans les livres de Deutéronome au chapitre 28 en disant que si on obéit à Dieu, vous allez vivre ceci et cela. Toutes ces promesses-là, c'est attaché à la sagesse. Parce que quand vous craignez Dieu, quand vous respectez Dieu, la sagesse qui est produite en vous va vous donner ce que vous cherchez, va vous donner tout ce dont vous avez besoin. La sagesse divine ne consiste pas forcément à faire des choses jugées bonnes selon les hommes. Non, pas forcément à faire des choses comme les hommes les trouvent bonnes. Ou à faire des choses selon, mais plutôt à faire les choses selon le bon sens, selon la logique de Dieu. La logique par laquelle l'homme a été créé. Les principes sur lesquels
L'homme a été créé. Les principes de la droiture. Selon les bons sens, selon les discernements. C'est cela, la sagesse. Pas toujours faire plaisir aux hommes. Parce que vous pouvez avoir une attitude que les hommes ne comprennent pas aujourd'hui. Mais demain, les résultats que vous allez avoir, les hommes vous donnent raison. Parce que c'était de la sagesse. La sagesse n'est pas toujours comprise tout de suite. La sagesse n'est pas non plus adopter une attitude calme ou un tempérament doux. Non. Shakespeare, à son époque, William Shakespeare, disait « J'en connais qui passent pour des sages uniquement parce qu'ils ne disent rien. » J'en connais qui passent pour des sages uniquement parce qu'ils ne disent rien. Mais ce que Shakespeare dit là, avait déjà été dit par Salomon dans la Bible. Salomon l'avait déjà dit. Salomon avait dit ceci. Le sol lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. C'est Proverbe chapitre 17, verset 28. Donc dans Proverbe 17, 28, Salomon l'avait déjà dit. Quand quelqu'un se tait, il va passer pour quelqu'un de sage. Parce que c'est une attitude qui est appréciable. C'est une attitude que la sagesse peut produire. Mais le fait de rester silencieux, ce n'est pas de la sagesse. Ça peut paraître comme de la sagesse, mais ce n'est pas de la sagesse. Parce que si en soubassement, il n'y a pas de sagesse, tu peux poser des actes de sagesse, mais si en soubassement, il n'y a pas de sagesse, tu n'es pas sage. Et tu ne réussiras pas forcément. Parce que ta sottise finira par te trahir. Tu adoptes une attitude de sagesse, mais ta sottise finira par te trahir. Donc il ne suffit pas de dire à quelqu'un « sois sage ». Sois sage, ça dit comporte-toi d'une certaine manière. Si on n'est pas sage, l'attitude de sagesse ne donne pas la sagesse. Et les mêmes versets des Proverbes 17, 28, dans la Bible française courante, dit ceci. Quand il s'était, même un imbécile paraît sage. Même un imbécile paraît sage. Donc aux yeux des gens, il paraît sage et pourtant il n'est pas sage. Alors, donc, même un imbécile peut paraître sage, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je n'insulte pas, c'est la Bible française courant, Proverbe 17, verset 28, qui dit ça. Quand il s'était, même un imbécile paraît sage. Lorsque ses lèvres sont fermées, on peut le croire intelligent. On peut le croire intelligent. C'est là où l'intelligence et la sagesse se rejoignent, c'est-à-dire l'intelligence qu'on puise dans la parole de Dieu, parce que l'intelligence consiste à emmagasiner des connaissances, à acquérir des connaissances ou avoir l'attitude ou s'adapter dans des situations compliquées, dans des situations difficiles. Ça, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence, lorsqu'on la recherche dans la parole de Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça produit la sagesse divine. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, derrière la parole de Dieu, se cache un esprit qui produit la sagesse. Donc, lorsqu'on emmagasine la parole de Dieu, ça produit la sagesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, la sagesse vient au travers la parole de Dieu. J'aimerais que vous sachiez qu'avec la sagesse, vous pouvez récolter la richesse. La sagesse donne la richesse. La sagesse fait réussir. La sagesse vous fera réussir dans votre vie. La sagesse va vous dicter l'attitude qu'il faut avoir. La sagesse va vous dire quand est-ce que vous devez parler, quand est-ce que vous devez vous taire. La sagesse va vous enseigner que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue parce que la parole de Dieu l'enseigne. Et la sagesse va vous donner l'attitude qu'il faut dans chaque situation. Quand est-ce que vous devez parler? Quand est-ce que vous devez déclarer? Quand est-ce que vous devez prononcer des paroles de bénédiction sur votre propre vie, sur vos enfants? Pourquoi est-ce que vous ne devez jamais injurier vos enfants? Les enfants que vous éduquez. Moi, je n'ai jamais injurié même pas un seul de mes enfants. Je n'ai jamais dit imbécile. Je n'ai jamais, parce que je sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne peux pas parler de cette manière sur l'enfant. Je ne peux pas dire à l'enfant qu'il est imbécile. Mais lorsque vous marchez, vous manquez la sagesse, vous allez dire à l'enfant. Vous allez dire à l'enfant, Zobayo, Yaka, toi, tu n'as pas d'intelligence.
Même quand l'enfant échoue à l'école, tu ne dois jamais lui dire tu n'as pas d'intelligence. Parce que toi, ta parole est créatrice, tu ne peux pas dire ça. Alors, vous devez savoir qu'à cause de tout ce que la sagesse enseigne, la sagesse produit la richesse. Avec la sagesse, vous pouvez récolter la richesse. Vous pouvez récolter la gloire et la vie. Prenez ces passages, vous allez les lire à la maison. Et j'aimerais que vous qui nous suivez, que vous puissiez écrire ces passages-là. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 8, verset 18. Prenez note. Proverbe 8, verset 18. Proverbe 15, verset 33. Vous pouvez aussi nous aider à écrire en commentaire afin que les autres gardent ces passages. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 22, verset 4. Je recommence. Proverbe 3, verset 16. Proverbe 8, verset 18. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 22, verset 4. Écoute ce que Proverbe chapitre 3, verset 16 dit. Dans sa droite, dans la droite de la sagesse. Ici, au chapitre 3, on vous exhorte à acquérir la sagesse, à rechercher la sagesse. Et on dit, on argumente, l'homme le plus sage du monde, Salomon, argumente pour dire pourquoi il faut rechercher la sagesse, quelle est l'importance de la sagesse. Il dit, dans sa droite, à la droite donc de la sagesse, il y a la longue vie. Une longue vie à la droite de la sagesse. Lorsque vous avez trouvé la sagesse, vous avez trouvé une longue vie. Et à sa gauche ou dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. La longue vie, elle est plus importante, c'est à la droite. Et à gauche, la richesse et la gloire. Donc la sagesse vous amènera à réussir dans ce que vous faites. Voilà pourquoi tout ce que nous allons apprendre pendant ces 50 nuits de décrets, ce sont des leçons de sagesse. C'est de la sagesse dans les mariages, la sagesse dans le monde spirituel, pour ceux qui aiment naviguer dans le monde de l'esprit. Et la sagesse dans les relations, la sagesse pour réussir. La sagesse changera votre vie, car la réussite dépend de la qualité des problèmes des autres que vous résolvez. La réussite, suivez-moi bien aimé, toute réussite dans la vie dépend de la qualité ou la taille ou la gravité des problèmes des autres que vous résolvez. Donc, vous devez comprendre cela. Vous savez, un avocat qui tranche des problèmes grands, graves, des dossiers de 10 millions de dollars, de 20 millions de dollars, ses honoraires sont élevés. Il gagne plus d'argent que celui qui ne tranche que des problèmes de divorce, des petits problèmes, des gens qui se disputent des champs, des petits lopins de terre, ainsi de suite. Donc, plus on résout des grands problèmes, plus on gagne beaucoup dans la vie, plus on réussit dans la vie. Donc, la taille des problèmes des autres que vous résolvez par votre sagesse détermine aussi la taille de votre réussite. Regardez Daniel. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 2, tous les chapitres 2 de Daniel, on nous enseigne une histoire extraordinaire, je dirais même rocambolesque. Le roi fait un songe. Il est troublé dans son songe. Au verset 3, il dit, je suis sorti de mon sommeil troublé. Mon esprit est troublé. Je cherche celui qui va m'expliquer les songes. D'abord, me donner les songes. Qu'est-ce que j'ai rêvé? Et puis, m'expliquer les songes. Frère, il n'est pas donné à tout le monde de donner et les songes et l'explication du songe. J'ai déjà vu des gens prophétiser. Ils te donnent les songes que tu as fait sans que tu lui parles de ton songe et ils te donnent l'explication. Ça arrive. Je vois parfois la servante de Dieu, Joël Kabasele, recevoir des révélations de ces gens-là. Mais ça, c'est une grâce particulière. Alors, c'est arrivé à Babylone que le roi a fait un songe et il a oublié, mais il est sorti troublé de son songe. Alors, il demande à tous les magiciens, aux satrapes, au gouverneur, à tous ses conseillers,
à tous les sages de Babylone de lui donner et les songes et l'interprétation du songe. Ceux-ci lui disent, roi, donne-nous le songe et nous te donnerons l'explication du songe. Il dit, non, je n'ai pas le songe. Mais si vous me donnez le songe, je vais reconnaître que c'est le songe. Ils vont se concerter, ils reviennent, roi, donne-nous le songe. Le roi dit, je comprends que vous cherchez à gagner du temps, mais sachez que je vais détruire. Je vais vous tuer tous, réduire tous vos biens, vos familles, vos maisons en tas d'immondices si vous ne me donnez pas le songe et son explication. Ils ont dit au roi, oh roi, ce que tu nous demandes, aucun parmi nous, aucune personne, aucun sage, qu'il soit magicien, qu'il soit sorcier, ne peut répondre à un énigme aussi compliqué. Même les dieux ne pourront pas y répondre. À moins que vous alliez consulter des dieux qui ont leur demeure dans les cieux, pas les dieux qui ont leur demeure sur la terre. Les dieux qui ont leur demeure dans les cieux, eux peuvent répondre à cette question. Donc il était donc question de détruire tous les sages, tous les magiciens, tout ce qui travaillait pour le roi. Et Daniel était parmi ces gens qui travaillaient pour le roi. Quand on lui a rapporté ce qui s'était passé, il est allé voir l'intendant du roi pour lui dire, demande au roi qu'il me donne un petit temps. Je vais chercher la solution à ces problèmes-là. Il ne voulait pas qu'il meure. Mais lui, comme il avait les dieux de la sagesse, les dieux qui produisent la sagesse, les dieux qui répondent à la question comment. La sagesse répond donc aux questions les plus difficiles de la vie. Comment vous allez faire pour ne pas divorcer? Comment vous allez faire pour que vos enfants soient bien éduqués et que vos enfants soient des citoyens modèles, soient des grands messieurs demain? Que vos enfants s'occupent de vous demain, soient des gens extraordinaires demain? Comment vous allez faire? Donc ça répond à la question comment? Alors, Daniel connaissant Dieu, c'était un prophète, c'était un homme qui naviguait dans les mondes de l'esprit. Il est allé voir Shadrach, Meshach et Abednego, ses frères hébreux, et il leur a dit, entrons en jeûne et prière, entrons en retraite, questionnons Dieu, que Dieu nous parle, que Dieu nous dise quel est le songe que le roi a fait et quelle est son interprétation. Ils sont allés prier. Quand ils ont prié, ils ont cherché Dieu. Dieu leur a révélé, au travers d'un songe, il a révélé à Daniel les songes que le roi avait fait. Et Dieu lui a donné aussi l'interprétation de ce songe-là. Alors Daniel, avec ses frères Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont prié encore pour remercier Dieu, pour célébrer Dieu, pour lui dire, Dieu, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu nous as épargné de la mort, tu es extraordinaire. Aujourd'hui à Babylone, on saura qu'il n'y a que toi qui es Dieu, parce que tous les dieux ont échoué, ils se sont cassés les dents. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Alors, ils ont clôturé leur retraite de jeûne et prière et Daniel est rentré auprès d'Arioch, qui était l'intendant du roi. Il a dit à Arioch, j'ai la réponse. Est-ce que je peux rencontrer le roi et lui donner la réponse? Je vais lui donner et les songes et l'interprétation de son songe. Arioch a dit, c'est vrai. Il dit, oui, j'ai la réponse. Le Dieu des cieux a eu pitié de nous. Le Dieu grand, celui qui a sa demeure dans les lieux célestes. Le seul Dieu, le seul véritable, nous a dit ce que le roi a vu et l'interprétation de ce que le roi a vu. Ok, on t'amène chez le roi. On l'a amené chez le roi, il a donné les songes, il a donné l'interprétation. Je vous épargne des détails, vous pouvez lire le chapitre 2 de Daniel. Il a donné l'interprétation, chaque détail du songe avec son interprétation. Quand il a fini de donner chaque détail du songe avec son interprétation, le roi est tombé à terre, il est tombé à genoux. Il a adoré le Dieu de Daniel. Il a presque adoré Daniel. Il a dit non, non, ça c'est pas un homme. Déjà qu'on lui avait, on l'avait prévenu, on lui avait dit aucun Dieu sur la terre ne peut donner l'explication. Alors, il a presque adoré Daniel. Il a dit non, prenez les habits de pourpre, couvrez cet homme, il mérite cela. On lui a donné des présents, des richesses, des biens. Parce qu'il a révélé l'avenir, il a révélé des choses qui devaient arriver à la suite des temps. Les songes du roi parlaient de tout ce qui devait arriver à la suite des temps jusqu'aujourd'hui.
Alors le roi l'a couvert de biens, l'a couvert de richesses et lui a donné les postes de responsable de tous les sages, de tous les magiciens de Babylone. Daniel devait être leur chef. Tous les chefs, les chefs de tous les sorciers, de tous les magiciens, de tous les conseillers du roi. On lui a donné ces postes-là. Et puis, on lui a donné la ville de Babylone, la capitale. Il est devenu le gouverneur de Babylone, de la capitale. Et puis, on lui a dit, bon, et c'est lui maintenant, Daniel, qui dit, bon, roi, je n'étais pas seul dans cette prière. J'étais en retraite avec mes amis. Mes amis sont Shadrach, Meshach et Abednego. Est-ce que tu peux leur donner l'administration? Qu'ils soient les responsables de l'administration de Babylone. Et on a pris l'administration de Babylone, de la ville de Babylone, on a donné à Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà comment ces hommes, ces quatre personnes sont devenus grands. Ils sont devenus grands dans Babylone, respectés. Ils passaient en cortège. Ils étaient honorés. Ils étaient devenus puissants par la sagesse, par l'esprit de la sagesse. Ils sont allés chercher Dieu et l'esprit de la sagesse leur a répondu des choses incroyables. Déjà, comprendre qu'il faut aller chercher Dieu pour ce genre de sujet, comprendre qu'il faut aller chercher Dieu dans la prière lorsque ça ne marche pas dans votre vie, lorsque vous attendez l'enfant longtemps, l'enfant ne vient pas. Les médecins ont tout fait. Les médecins vous ont dit que vous n'avez pas de problème de conception. Mais vous n'arrivez toujours pas à concevoir et à avoir des enfants. Comprendre que là, il faut aller questionner Dieu. Il faut aller chercher Dieu dans la profondeur jusqu'à ce que Dieu vous parle, jusqu'à ce que Dieu vous montre où se trouve le problème et qu'il vous donne la clé du problème. C'est de la sagesse. Parce qu'il y a des gens plus intelligents que vous qui n'ont pas compris ça. Ils sont plus intelligents, mais ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris qu'il faut aller chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle. Que Dieu vous révèle un petit secret. Que Dieu vous donne la clé de ces secrets-là pour ouvrir le coffre fort des secrets, des coffres forts où sont cachés des codes de la divinité, des codes célestes, des codes de la sagesse et de l'intelligence, de la science. Pour que vous puissiez comprendre qu'il faut entrer en intimité avec Dieu afin qu'il vous donne ces clés-là, il faut avoir de la sagesse. Il faut connaître qui est Dieu. Il faut savoir comment Dieu fonctionne pour comprendre ces choses-là. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ces choses-là. La sagesse est très, 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 très importante. La sagesse est très importante, bien aimée dans le Seigneur. Je veux que vous puissiez comprendre ces choses-là. Regardez comment nous allons chercher la femme de notre vie. Comment vous allez chercher l'homme de votre vie? Quand vous marchez dans la sagesse, vous ne cherchez pas l'homme de votre vie ou la femme de votre vie de la même manière que les païens. Mais lorsque vous manquez de sagesse, vous allez épouser un sorcier. Lorsque vous manquez de sagesse, vous allez épouser un occultiste qui va vous compliquer la vie, qui va diminuer votre vie de prière, qui va vous éloigner du foyer du feu. Il va vous éloigner du foyer, de votre église, de votre pasteur, de votre environnement qui nourrit votre foi, votre environnement qui nourrit votre spiritualité. Et après, il va vous détruire, il va vous tuer. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui marchait dans la sagesse, quelqu'un qui a rencontré la sagesse, vous saurez que ça, ce n'est pas un homme à épouser. Vous saurez comment questionner Dieu quand un homme vient, même s'il sent bon. Ce n'est pas sentir bon qui fait d'un homme un homme bien. Ce n'est pas un bon français qui fait d'un homme un homme bien. Ce n'est même pas l'intelligence à l'école, le fait que les messieurs distinguent à l'université qui fait de lui un homme bien. Oui, moi j'aime des hommes intelligents, moi je ne peux pas épouser un homme qui n'est pas intelligent. Oui, d'accord, que Dieu te donne un homme intelligent, mais un homme aussi qui a l'esprit de Dieu. Un homme qui craint Dieu. Je vous avais dit que nous parlerons en long et en large du mariage. Comment est-ce qu'on entre dans les mariages? Déjà, l'entrée requiert de la sagesse. L'entrée seulement requiert de la sagesse. Parfois, les hommes pensent que ce sont les femmes qui doivent beaucoup prier, qui doivent chercher Dieu. Écoutez-moi, chercher Dieu pour les mariages n'est pas seulement une affaire de filles. Hein.
Oh, les filles aiment aller prier, elles aiment aller crier, pleurer pour, dans les églises pour le mariage. Tu te moques d'elles. Tu commets une grosse erreur. Tu te moques de ce que tu ne sais pas. En fait, excuse-moi de dire ça, c'est idiot de se moquer des filles qui vont prier pour le mariage. C'est vraiment idiot. Parce que toi-même aussi, tu devrais prier, pleurer pour le mariage. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez un bon travail. Oh, je vais me marier maintenant, j'ai les moyens. Non, 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 ce n'est pas les moyens qui donnent un bon mariage. C'est pourquoi vous allez vous marier et vous allez divorcer. Vous allez vous marier et vous allez avoir des enfants. Vous avez trois enfants, vous croyez que ce sont vos enfants? Ce sont les enfants du médecin. Là où vous allez vous faire soigner. Là où vous allez vous faire soigner et tout ça, les médecins ont découvert que vous, vous ne mettez pas au monde, vous avez un problème de fertilité. Et lui-même s'occupe de vous. Il soigne votre femme en l'engrossant, excusez-moi les termes, en l'engrossant à chaque fois. Trois enfants, deux enfants, mais des enfants qui ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est parce que vous allez épouser une femme sans consulter Dieu. Vous allez consulter une femme sans les voies, sans exploiter les voies, les possibilités que Dieu vous donne au travers de sa parole. Sans prier, sans consulter Dieu, sans consulter la sagesse de Dieu. Hein? Excusez-moi vraiment de dire ça. On vous engrosse la femme chaque fois. Et vous, vous êtes content, vous bénissez Dieu, vous priez Dieu. Hein? Vous priez Dieu, vous les célébrez, vous donnez des témoignages à l'église. Vous dites, ah, on a fait 8 ans de mariage, Dieu nous a donné maintenant un enfant. On a fait 10 ans, 10 ans de stérilité, Dieu nous a donné un enfant. Mais la femme et les médecins savent que ce n'est pas Dieu qui vous a donné. C'est l'adultère qui vous a donné. C'est les médecins qui pompent ces enfants-là. Alors, vous comprenez? Et ça, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des secrets parfois que nous, que nous gardons. Aux frères, parce que des choses comme ça, comment les dire? On ne peut pas les dire. Mais des choses qui arrivent dans des familles, dans des couples, dans des foyers, même des foyers de pasteurs. Hein? Pasteur, ce n'est pas l'argent. Jeune homme, écoute-moi, ce n'est pas l'argent qui fait le mariage. Ce qui fait le mariage, d'abord, c'est l'orientation divine. Que Dieu vous aide à trouver la femme de votre vie. Votre numéro. Les numéros de votre pied, votre size, la taille qui vous convient, pas qui va vous faire mal. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez épousé une bonne femme aujourd'hui. Mais 10 ans après, vous allez déchanter. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une bonne femme. Vous avez épousé un homme. 10 ans après, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un homme bien. Maman, écoute-moi, quand tu pleures là, quand tu pries, tu demandes à Dieu un homme. C'est parce qu'un homme n'est pas venu vers toi t'épouser, parce que tous les fiancés partent, ou tu demandes à Dieu vraiment un homme qui vienne de lui. Et quand un homme viendra, tu demanderas à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux aller avec cet homme? Tu vas consulter la sagesse de Dieu, est-ce que je peux aller avec cet homme? Le mariage, c'est toute votre vie, hein? C'est toute votre vie, c'est toute votre histoire. Toute votre histoire. C'est la vie de vos enfants. Vous savez, si vous épousez une femme qui est, excusez-moi les termes, qui est médiocre, qui manque la sagesse, qui a un problème de sagesse, l'éducation des enfants seront ratées. Seront ratées. Quelqu'un me parlait hier d'une famille. Une famille de 8 enfants, mais des enfants qui se disputent entre eux, qui s'injurient. Les cadets qui injurient les grands frères, l'aîné, la cadette, l'avant-dernière, qui se chamaille avec le deuxième des familles. On ne leur a pas donné des principes et des règles qui vont produire, développer la sagesse en eux. Parce qu'il manque du bon sens. Un sixième de la famille ne peut pas se mettre à injurier les deuxièmes de la famille, juste parce qu'on lui donne des conseils, parce qu'on te dit ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Une famille où il y a de l'orgueil, où le cadet, parce qu'il a beaucoup d'argent, il ne respecte pas les aînés. C'est lui qui décide, c'est lui qui veut s'imposer. Parce qu'on manque la sagesse. Pourquoi est-ce qu'il manque la sagesse? Parce qu'ils ont une maman qui manque la sagesse.
Ils ont une maman qui est incapable, qui a été incapable d'éduquer les enfants dans l'amour fraternel, dans le respect mutuel, dans le respect de certaines règles et de certains principes. Quand il n'y a pas de respect mutuel, même l'amour ne marchera pas. Les enfants seront séparés, seront divisés. Demain, quand vous allez mourir, ces enfants ne vont pas s'aimer, ne vont pas se visiter. Leurs enfants ne vont même pas se visiter, ne vont pas se connaître. Ces enfants vont évoluer dans la jalousie, dans l'envie. Ces enfants vont évoluer dans des guéguerres, dans des compétitions. Ils ne vont pas s'aimer. Et ça, c'est parce que la maman a été, excusez-moi les termes, idiote. On a juste épousé une femme parce qu'elle est jolie, parce qu'elle fait des enfants. Une femme qui ne sait pas quand est-ce qu'il faut se taire. Une femme qui crée des problèmes, des jalousies, qui sépare les enfants, qui divise les enfants, pendant que papa est malade, pendant que papa est prêt à mourir. Au moment où il faut taire toutes les divergences, toutes les querelles, développer l'amour, même si papa doit partir, qu'il parte dans l'amour. Vous voyez ça? Donc, on n'épouse pas une femme juste parce qu'on a l'argent. Votre progéniture, après vous, sera divisée. Va vivre dans la haine, dans la rancune, dans la division. Et ça ne sera pas des gens bien. Ce sont des gens qui vont peut-être vous leur avez laissé une faveur des finances, des bénédictions financières. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils finiront par retomber parce qu'il y a des principes qu'ils n'ont pas, qu'on ne leur a pas enseignés. Ils vont prendre des femmes d'autrui. La puissance de l'argent, quand ça monte dans la tête, quand ça vous emballe, vous allez prendre la femme d'autrui. Vous allez marcher sur les plates-bandes des autres, là où il ne faut pas toucher. Il y a des choses dans la vie, lorsqu'on grandit dans la sagesse, dans une famille normale, il y a des choses qu'on apprend des parents. On te dit, ne touche jamais au fétiche, ne touche jamais à ceci. Ne touche jamais à ceci. Moi, j'ai fait un pacte avec Dieu. Moi, voilà comment j'ai marché avec Dieu. Dans mon sang, il n'y a pas de fétiche. Si tu touches des fétiches, ça va te créer des problèmes. Ne prends pas la femme d'autrui. Ne fais pas ceci. Parce que quand tu prends la femme d'autrui, si jamais on veut te faire du mal, on va t'atteindre. Ne fais jamais ceci, ne fais jamais cela. On va t'apprendre ça par une mère sage. Vous savez, le rôle du père, c'est de donner les grandes lignes de l'éducation. Le père donne l'instruction. Et c'est la mère qui donne l'enseignement. C'est-à-dire que la mère prend ce que le père a dit et dissèque cela en petites leçons. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Sur la terre des hommes, on ne marche pas de n'importe quelle manière. On ne fait pas n'importe quoi. Donc vous devez comprendre que même le mariage déjà, les débuts du mariage, c'est la sagesse. Il faut une certaine dose de sagesse. Savoir comment est-ce qu'on trouve une femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. Hein. C'est la femme qu'on a cherchée. On parle de trouver. Donc, on trouve quand on a trié. On a trié et on trouve. Donc, dans ce verset-là, on sous-entend qu'il y a des principes, il y a des règles pour trier. Alors, ces règles-là se trouvent dans la parole de Dieu. C'est la sagesse. On ne marie pas n'importe quelle femme. On ne marie pas n'importe quel homme. Comprends cela, bien-aimé. Peut-être que les souffrances que tu as aujourd'hui, toi, qui es marié depuis 10 ans, 15 ans, vous avez beaucoup de difficultés. Les souffrances, les problèmes que tu as, c'est parce que tu avais au départ fait un mauvais choix. Si tu avais la sagesse de Dieu, tu aurais fait un bon choix de l'homme, de la femme de ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous comble de ses grâces. Que Dieu vous comble de ses bontés. Les mariages. Le mariage, ce n'est pas l'argent pour la cérémonie, l'argent pour la boisson. Non, pour organiser une grande fête, épater les gens. Non, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est l'amour que vous allez donner à l'autre qui va les propulser. L'amour ou la soumission qu'elle va vous donner qui va vous propulser. Vous bâtissez un empire, vous bâtissez une histoire qui va aller de génération en génération. Vous donnez à l'humanité des enfants bénis, des enfants remplis de grâce, des enfants qui s'aiment, des enfants qui bâtissent aussi des foyers équilibrés. Quand vous mettez aux hommes, parfois ça m'étonne beaucoup, et quand je vois parfois des parents se plaindre,
Oh, mon fils n'écoute jamais quand je lui parle. Ma fille n'écoute jamais quand je... Comment on en est arrivé là? Comment votre fille ne vous écoute pas? Comment votre fils ne vous écoute pas? Vous pensez que c'est la faute de qui? C'est la faute du diable. C'est votre faute. Vous avez mal éduqué votre enfant. Un enfant qui ne vous écoute pas, c'est vous qui l'avez mal éduqué. Excusez-moi de vous dire la vérité. Un enfant doit vous écouter. C'est pourquoi c'est pas l'âge, la capacité de procréer qui vous donne le droit de faire des enfants. Vous devez avoir la sagesse nécessaire pour éduquer ces enfants-là. Il ne suffit pas de faire des enfants comme une folle et un fou peuvent se rencontrer en route. Et ils ont un coït et puis ils font un enfant. Non! Des enfants pour les avoir, des enfants voulus, des enfants recherchés, il faut se préparer à les avoir, il faut avoir la sagesse nécessaire, savoir comment est-ce qu'on éduque un enfant, comment est-ce qu'on réussit l'éducation d'un enfant. Quand un enfant ne vous écoute pas, c'est votre faute. Même si vous me dites que non, c'est un esprit qui est entré en lui, c'est l'esprit du diable, c'est vous qui devriez prier pour cet enfant. Lorsqu'on prie pour l'enfant, on prie pour l'éducation de l'enfant, on prie pour le bon sens dans l'enfant. Ça finit par marcher. Tôt ou tard, cet enfant va rentrer sur la ligne, va rentrer sur le droit chemin. Et si vous éduquez bien l'enfant, parce qu'il ne suffit pas seulement de prier pour l'enfant, c'est fuir vos responsabilités, vous donner toute la charge à Dieu. Il faut aussi éduquer l'enfant, il faut l'éduquer. Il faut lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Et la Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre lorsqu'il est encore tout petit. Comme ça, lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui entrent dans l'enfant, dans l'éducation de l'enfant, quand vous les introduisez au bas âge. Il ne faut pas attendre que l'enfant devienne dur. Quand il devient dur, il devient imperméable, il y a des choses qui n'entrent plus. Il faut apprendre à l'enfant la docilité dès qu'il est tout petit. Il aura l'habitude de vous écouter. Même lorsqu'il sera vieux, il vous écoutera. Vous lui donnerez des conseils, il vous écoutera. Alors comprenez cela. Comprenez ces choses-là. Ce n'est pas un esprit ou je ne sais pas, ce n'est pas l'enfant lui-même qui s'éduque. Et les Africains ont dit, c'est-à-dire, on met au monde l'enfant, mais on ne met pas au monde son cœur. Non, on peut mettre au monde son cœur. Moi, mon père m'a toujours appris qu'on peut mettre au monde le cœur de l'enfant. Comment est-ce qu'on met au monde le cœur de l'enfant? C'est l'éducation. C'est à vous de forger le cœur de votre enfant. C'est à vous de forger l'esprit de votre enfant dès qu'il est tout petit. Vous forgez son esprit par les enseignements, par l'instruction du père et l'enseignement de la mère. Vous dites à l'enfant, il ne faut jamais injurer les grandes personnes. Il répond à son frère avec violence. Il dit, tu ne réponds pas comme ça à ton frère. Tu ne réponds pas comme ça à ta soeur. Tu respectes ton frère. Tu respectes ta soeur. Non, allez, demande pardon. On répond avec douceur. Tu apprends à l'enfant dès qu'il est... Il est encore petit, il n'a même pas encore une année. Tu commences déjà à lui apprendre ça. Tu lui apprends à partager. Il a un biscuit, tu dis, donne aussi à ton frère. Il a du jus dans la main. Tu dis, donne aussi à ta soeur. Même s'il y en a beaucoup dans la maison. Mais vous apprenez aux enfants à partager. Vous apprenez l'amour. Ton frère est malade. Va lui faire des câlins. Va lui dire des paroles de consolation. Va encourager ton frère. Vous apprenez ça aux enfants. Ils sont encore tout petits. Vous leur apprenez cela. Parce que c'est très important. Vous aiguisez leur esprit. Vous aiguisez leur esprit pour l'avenir. Vous aiguisez leur esprit pour le futur. Et vous-même, vous mangerez les fruits de ce que vous êtes en train de faire dans la vie de ces enfants-là. Parce que ça va revenir vers vous. Un jour, vous serez vieux. Un jour, vous serez vieille. Si Dieu vous fait la grâce de vivre longtemps, ces enfants vont prendre soin de vous. Et ça sera un bonheur, ça sera un paradis de voir vos enfants vivre. Ça sera un paradis, ça sera un bonheur pour vous. Alors comprenez ces choses-là. Tout ça, ça requiert de la sagesse. Comment est-ce que vous résolvez vos problèmes, vos soucis, vos disputes? Il n'est pas interdit de se disputer. Il n'est pas interdit d'avoir des points de vue divergents dans les mariages. Et c'est faux de penser que le mariage, c'est un fleuve qui coule. Un fleuve tranquille qui coule sans problème. Non, le mariage n'a jamais été un fleuve qui coule tranquille sans problème. Non. Non, 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 non. Vous aurez des divergences, vous aurez des tensions. Mais comment est-ce que vous gérez ces choses-là? Comment est-ce que vous tranchez ces problèmes? Il y a des gens qui vont accuser leur femme dans leur famille.
Et ceux qui sont, excusez-moi de le dire comme ça, avec, de manière crue, hein, avec crudité, il y en a même qui vont accuser leur femme dans leur famille. Tu vas accuser ta femme dans ta famille à toi. Ça, c'est vraiment un niveau de bêtise élevé. Tu es femme, tu vas accuser ton mari dans ta famille à toi, femme. Ça, c'est un niveau de bêtise très élevé. C'est une preuve simplement que vous n'avez pas été préparé pour le mariage. On ne vous a pas enseigné. Vous n'avez peut-être pas une église d'attache. On ne vous a pas donné des enseignements avant le mariage. Déjà, ça, c'est un niveau de bêtise très élevé. Mais toi, tu vas accuser ta femme dans sa famille. Tu penses que sa famille va l'aider. Ça va vous aider à vivre heureux. Pas toujours. Et il y a des problèmes à certains degrés. Ça ne va pas se résoudre de cette manière. Les gens à qui, auprès de qui vous allez accuser, qui vous dit que ces gens-là veulent votre bonheur? Qui vous dit que ces gens-là vont travailler en votre faveur? Qui vous dit ça? Poussé par quel esprit? Par l'esprit de Dieu. Mais il y a aussi des sentiments humains. Ils ont des sentiments humains. Ils vont prendre la part de leur fille ou de leur fils. C'est naturel. Ils ont du mal à se départir. Vous devez être capable, vous-même d'abord, de trouver des solutions à vos problèmes. Vous devez être capable d'exposer vos problèmes à vos parrains. Si vous avez des bons parrains, ce qui est aussi une chose rare, avoir des bons parrains qui ont l'esprit de Dieu, qui ont la sagesse, c'est rare. Et avoir un bon pasteur qui peut vous accompagner, qui peut vous accompagner, qui peut vous inspirer de la sagesse, qui peut vous encourager à développer de la sagesse entre vous, à vous aimer, à vous faire du bien. Comment vous gérez ces problèmes-là? Donc, voilà. J'étais dans l'école de la sagesse et j'ai fait un pas vers les mariages. Et dans les jours qui viennent, nous parlerons du mariage. Nous parlerons des autres sujets aussi, des autres axes très importants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez cette vidéo à vos amis. Partagez, partagez, partagez. Coupez même des morceaux. Partagez. Faites connaître les 50 nuits. Et les 50 nuits de sagesse aux amis, aux connaissances, que la nouvelle aille loin. Vous allez aider beaucoup de gens, vous allez sauver beaucoup de vies, vous allez sauver des mariages, vous allez sauver des éducations, vous allez amener même des parents à rectifier les tirs dans leur manière d'éduquer leurs enfants et vous allez faire du bien à beaucoup de gens. Dieu va vous bénir, le ciel va vous bénir. Est-ce que nous pouvons encore décréter la sagesse cette nuit? Là où tu es, j'aimerais que tu parles avec moi, que tu te mettes debout, que tu commences à parler, que tu commences à décréter la sagesse dans ta vie, que Dieu crée autour de toi des circonstances où tu tires des leçons de sagesse, tu tires des leçons de sagesse et que tu croisses dans ta sagesse. Que l'Esprit de Dieu t'amène à lire, t'amène à vivre des expériences qui vont te faire acquérir beaucoup de sagesse. Décrète la sagesse, parle, parle par rapport à la sagesse. Roma ya karabo se tarabosha. Père, nous voulons la sagesse. Père, nous voulons la sagesse. Père, nous voulons la sagesse. La Bible dit que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu qui va la lui donner gratuitement. Gratuitement. Robo sakaramarabo sikarabo. Yenderebo sandarababosha. Yekarabo santarababosha. Yenderebo Père, la sagesse, je décrète la sagesse dans les vies de tous qui me suivent, la sagesse dans les vies de tous qui me suivent, la sagesse dans ma propre vie, la sagesse dans mon environnement, je décrète, je décrète la sagesse, je décrète la sagesse, je décrète la sagesse, je décrète la sagesse. Père, oh, crée autour de nous un monde de la sagesse. Rabo ketemeribaya, un monde de la sagesse, un monde de la sagesse, un monde de la sagesse, dans les noms précieux de Jésus, dans les noms précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas continuer après ce moment, même dans ta prière avant de dormir, tu vas continuer à décréter, à parler sur la sagesse. J'aimerais maintenant que tu lances un décret par rapport à ta famille, à la protection de ta famille. Est-ce que tu peux lancer un décret? Toi, tu es un roi, tu vas ordonnancer, tu es un ministre, tu vas signer un décret. Tu vas déclarer, décréter sur la sécurité, ta propre sécurité et la sécurité de ta famille. Il y a des vendeurs de nuit, il y a des esprits errants, il y a des esprits de toutes sortes qui cherchent à toucher à ta santé, à toucher à ta vie,
aux vies de tes enfants, aux vies de ceux de ta famille, pour te perturber, pour t'arracher la paix, pour t'éloigner du Seigneur. Est-ce que tu peux décréter la sécurité? Décrète la sécurité dans le nom de Jésus. Roma yaketere boshanda. Je décrète la sécurité. Je décrète la sécurité. Je décrète que les anges de Dieu m'environnent, que les anges de Dieu me gardent, que les anges de Dieu s'occupent de ma sécurité. Oui, oui, la Bible déclare que l'Éternel garde les justes et que l'Éternel empêche que les pieds du juste les chancellent. Oh, si jamais il doit chanceler, Dieu, l'Éternel enverra ses anges pour le protéger, pour veiller sur lui, pour le retenir. Seigneur Dieu, oh, assure ma sécurité contre, alléluia, les vendeurs de nuit, contre les esprits méchants d'ici-bas, contre les esprits des ténèbres dans les lieux célestes, contre les dominations, les principautés, les autorités. Protège-moi, 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 assure ma sécurité, que ma sécurité soit garantie au nom de Jésus. Je décrète ma sécurité. Je décrète ma sécurité. Je décrète la sécurité de ma femme. Je décrète la sécurité de mes enfants. Oh, même si, alléluia, nous prenons des avions, ces avions ne tomberont pas. Nous entrons dans des véhicules, ces véhicules ne feront pas des accidents. La Bible dit, oh, la Bible dit, même si tu traverses le feu ne te consumera pas. Tu traverses les fleuves ne te submergeront pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je décrète la sécurité. Je décrète la sécurité. Je décrète la sécurité de tous ceux qui me suivent. Je décrète la sécurité dans leur vie. 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 Je décrète la sécurité. Je décrète la sécurité. Recevez la sécurité de Dieu. Recevez la sûreté de Dieu. Soyez assurés. Soyez couverts de la sécurité de Dieu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Dans les noms de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'ancien des jours, celui qui était, qui est et qui vient. Oh, les pères de notre Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, en ton nom, en ton nom, Jésus-Christ, oh, et les demandant au Père, j'ai ainsi décrété que le ciel m'entende, que la terre enregistre, que les abîmes enregistrent, que toute la création enregistre ces choses et entende ces choses. Je parle aux quatre vents, que les quatre vents emportent ces nouvelles, propagent ces nouvelles. Et ainsi j'ai décrété, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Cette fois, Amen, 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 Amen. Amen. Merci d'acclamer le roi. Merci d'acclamer le roi. Merci de célébrer le roi. Merci de célébrer le roi après ces décrets. Croyez en vos décrets. Croyez que ces décrets sont arrêtés dans les lieux célestes. Ces décrets sont arrêtés dans les lieux surnaturels, dans les lieux invisibles, dans les dimensions invisibles, dans les dimensions parallèles. Ces décrets sont arrêtés. Nous disons merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons demain à la même heure, sur la même page Facebook, sur la même chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup et au revoir. Bonne nuit. Na pusani liboso na yo, ekimelo na ngai Yesu Kristo, mobateli na ngai se yo masia. Na tie motema sepai na yo, na
tomboli maboko kongumba mela yo ekimelo nanga Yesu obateli nanga ekimelo nanga kolotala banguna nangai batali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga nakolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba meli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ye ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumba meli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai ye mobateli na ngai ye ekimelo na ngai ye mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazala papa mosusu te Yesu na ngai.